Hello chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce let's play qui est de Star Wars Movie Duels 2. Donc je pense qu'on va faire qu'un seul épisode aujourd'hui. Donc on était à la revanche des Sith, voilà, on était à ce combat là avec Yoda. Donc je pense que je vais le finir très bientôt, puisque j'ai envie de le finir. Donc là on se retrouve avec, avec Yoda vite fait, etc. Enfin le tralala habituel. On va finir le let's play et ensuite on fera peut-être plus tard les bonus. Je pense aussi faire d'autres vidéos. Donc de gameplay, c'est pas pour tout de suite, hein, je vous le dis tout de suite. Bon attendez, je vous laisse ça. J'ai découpé l'oreille, mais c'est pas trop grave. Donc en invincible comme toujours hein. Bon, ça faisait super longtemps que j'ai pas joué donc excusez-moi si j'ai pas trop les bases dès le début. Donc je crois que c'est deux coups, voilà, c'est pour faire un truc de fou. E pour choisir les pouvoirs. Et je crois que c'est F pour les utiliser. Ouais voilà c'est bon. Bon c'est bon, on a les touches comme d'hab. Donc ça va être facile. Donc pour l'instant j'ai toujours pas continué donc le let's play que j'avais créé sur Battlefront, ben Battlefront Conquest carrément. Je l'ai pas continué, alors pourquoi? Déjà parce que j'ai eu plein de bugs avec mon ordinateur, je l'avais déjà précisé. J'ai tellement eu de bugs qu'en fait rincer tous les modes etc c'est la misère. Alors pour l'instant je suis un peu démotivé pour le faire, pour le continuer. Peut-être que je continuerai mais vraiment plus tard hein, je me sens pas trop de faire des gameplays. Là je vais vraiment finir let's play parce que voilà ça c'est pas trop de laisser un let's play comme ça en pleine presque à la fin. Enfin voilà je trouve que ça se fait pas donc on va le finir quand même. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain mais on le finira très bientôt. Là j'ai pas vraiment le temps de tout faire hein, je veux dire. Les montages, je tiens quand même à faire les montages chaque mois, enfin presque chaque mois, au moins 2 mois. Ouais, un tous les 2 mois c'est suffisant pour l'instant, mais j'essaie quand même d'en faire le plus possible pour éviter justement que la chaîne soit trop vide et qu'elle manque de vidéos, même si on est à 60 vidéos, voilà. C'est pour dire. Voilà. Allez, allez. Alors pour ceux qui demandent, donc j'ai eu un problème avec Sony Vegas, j'en parle maintenant. Pour ceux qui demandent avec je filme avec Fraps, ça tout le monde le sait. Et mes montages, je les fais avec. Alors les montages, tout ce qui est GMV, vidéo montage au niveau des AMV, etc. Je fais avec Sony Vegas Pro. Et tout ce qui est tout ce qui est gameplay etc pour éviter des problèmes de luminosité ou autre qu'on rencontre souvent sur Sony Vegas, je le fais avec Camtasia. Donc c'est pour ça que je peux pas faire vraiment des gros plans etc ou quoi. C'est juste pour filmer justement les gameplay et justement ça me prend moins d'espace aussi au niveau de du disque dur quand je les quand ils sont montés et que je les publie sur mon ordi simplement. Ah je peux pas encore sortir de là. Ah carrément d'accord, je suis obligé d'attendre qu'il me pousse quoi. Je sais pas qui je suis, je sais pas qui je suis. Ça c'est une musique quoi. Tiens. Hein? Oh là là, mon sabre il est parti très loin là. Alors nous on peut pas sortir mais les sabres ils peuvent. Récupère ton sabre, voilà. Il adore tomber mon sabre, c'est la troisième fois qu'il tombe.
Donc j'ai aussi entendu parler de l'épisode Star Wars épisode 7, donc les films, je parle de la saga, qui devrait sortir dans assez longtemps, je crois en 2015, je suis pas trop sûr, et ça me dégoûte un peu. Je suis content qu'il y ait une suite, mais ça me dégoûte étant donné qu'ils vont pas choisir de très bons acteurs. Il y avait eu des infos peut-être erronées ou faussées sur Zac Efron qui serait peut-être dans le film. J'espère pas, sincèrement j'espère pas. Je n'aime pas avoir un Zac Efron qui fait pleurer toutes les filles dans un film comme de ce genre là, surtout que c'est Disney en plus qui va le faire. Tenez-le mon sabre, ah il l'a. Surtout que voilà, Disney qui fait un Star Wars, on imagine un petit peu on va dire la maturité du film hein. Voilà, c'est un peu comme les Caraïbes, Pirates des Caraïbes, il faut laisser tomber tout de suite hein. C'est quelque chose de sombre, noir, quelque chose de mature, parce que bon, faut dire aussi que voilà, Star Wars, on regarde bien, c'est assez, enfin c'est pas trop mature, mais ça l'est quand même, vous voyez que il y a quand même quelque chose, c'est quand même pour tout public, alors que là, ok, alors attendez, je vous laisse quand même, c'est tranquille. Attends, j'ai réussi à les jeter par terre. Ok, là, il faut dire quoi, oula. Ah ouais, carrément. Oh putain. Ah lol, lol. On recommence pas depuis le début, j'espère. Non, ça va. Donc on va se dépêcher, je suis désolé. Oh putain, non, t'es sérieux? Oh, c'est... Ok, je me suis fait troller par le vaisseau, super. Ben, la petite navette. Une. Prochain, il est là. Plus ça se casse vite, ces merdes. Prochain, il est où? Il est là. Oh putain, non! Non! Oh putain, oh non, mais sérieux, il m'a sauté en plein dessus le truc, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas de la rage, hein, c'est justement que ça... C'est trop bizarre, ça me fait... Je me rappelais pas de ça, en fait. Oh mais non, mais... Oh bordel. Ah, je vais avoir pour super longtemps. Bah, on va réussir, on va le faire, on va le faire. Hein, c'est juste parce qu'en fait, il y a le bord des nacelles, en fait, et on... Faut que j'évite les trucs en fait, surtout. Oh non, mais non, fou. Ah, oh, ce bordel. Il veut que je perdais ma vie aussi, donc je crois qu'on va remettre un invincible. Voilà, c'était pas un invincible en plus. Pour éviter que si on se prenne la selle, on meurt pas tout de suite. Voilà, on attend qu'il passe lui. Là, je sais pas s'il y en a un qui passe. Non, on dirait pas. On y est presque, on y est presque. Alors là, oula. Ouh, j'ai du cul. Oh, c'est le bordel là. J'ai l'impression qu'elle s'éloigne de plus en plus en fait. Non! On va se tuer. Hein. Ok, donc là ça a totalement planté. Tu peux me tuer, un truc du genre, s'il te plaît. Bon, écoutez, je vous retrouve juste après après les nacelles. Donc, à tout de suite. Et donc, voilà, les amis, on se retrouve ici. Voilà, on a réussi à monter. Après, il y en avait encore en plus, je suis mort plusieurs fois. C'était vraiment la misère. Bon, ça m'a pas pris trop de temps non plus. Souffrir parce que je m'as fait faire. Voilà, faire attention de pas tomber là, c'est le pire. Allez, viens. Non, non, toi tu viens. T'es un vrai bâtard, mon gars. Il peut venir, hein, il refuse. Hein. Voilà, reste dans le cercle. Tactique spéciale. Ça va pas durer longtemps. On va la refaire.
Ah là là. Donc on était en train de parler de l'épisode 7, hein. Je suis pas super emballé par ce nouvel épisode. À ce moment que je parle de ça, franchement, ça, il y a une cinématique, quoi. C'est, on dirait que c'est fait exprès. Et boum. Donc voilà pour cet épisode, je pense que c'est la fin de cet épisode là, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de bonus. Enfin si, je crois qu'on va pouvoir sortir en fait. Genre partir. Je crois, je suis pas sûr encore. Et ben voilà, je pense que c'est la fin de cet épisode. On se rapproche petit à petit de la fin, il ne reste plus qu'un épisode je pense. Un épisode pour finir le let's play et ensuite il y aura des bonus que je ferai de temps en temps. Comme je l'ai dit, je ne ferai pas des vidéos tous les jours ou toutes les semaines, hein, ce sera vraiment assez rare. C'est vraiment seulement pour finir 2-3 trucs et pour bien finir correctement aussi, hein, faut pas non plus... voilà. Bon en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre impression et dire ce que vous en pensez tout simplement. Et laissez un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo logiquement. Voilà, c'est tout à fait normal. Bon ben, je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye.